Et voilà, après avoir laissé de côté son sabre laser et son costume de Jedi, Daisy Ridley va jouer dans un film dramatique et romantique. J'ai trouvé des films dramatiques et romantiques. Ta gueule ! Siri de merde, là. Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction, et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce du film Ophélia, ou en français Ophélie, un film de drame, romance, avec Daisy Ridley, un film qui va retracer l'histoire d'un amour interdit entre la suivante Ophélia et le prince Hamlet. Très compliqué de trouver des informations sur ce film, passé complètement à la trappe, la date de sortie est inconnue, on sait juste que le film sortira normalement en 2020. Peut-être que ça vous donnera envie d'aller le voir, donc c'est parti, lumière moteur ça tourne, réaction, générique. Bande-annonce, c'est parti. Dis-moi, comment connaît-on l'intérieur d'une personne? Si c'est la VF de Daisy Ridley, ce n'est pas la même que dans Star Wars 9. La vérité. Le prince Hamlet. Le pensée. Château, oui. D'accord. Ah, c'est la belle au bois dormant. Comme souvenir. Ah, il se marie déjà, d'accord. Oh là. Scène de sexe. Le roi, il est mort. Longue vie au roi Claudius. Ah merde. Il m'a volé ma couronne. Vous oubliez la manière dont on salue un roi? Ah bah zut alors. La vengeance est à moi. Ophélie, il se passe des choses étranges dans ce château. Ça c'est sûr. Il te faut craindre. La seule sauvegarde, c'est la crainte. Hamlet, nous pouvons prendre la fuite. Venez. Tu as monté mon fils contre moi. Je pense qu'Ophélie est très dangereuse. Ah bah génial. Ils veulent me marier à un autre. Ça commence maintenant. Oh, des batailles. La vengeance, la folie, la perte d'un royaume. Rien n'est comme il y paraît. Ils ont peur d'une servante. Tout va bien dans le fabuleux royaume d'Angleterre, apparemment. Voilà, fin de la bande-annonce. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Pas grand-chose, même si la bande-annonce est assez longue, malgré le fait que le film n'ait pas encore de date de sortie. Dis donc, Ray, elle s'est poussée des cheveux roux entre-temps, non? Ah oui, d'accord, mais quand j'ai lu le petit résumé, genre... Ophélie, elle tombe amoureuse du prince Hamlet. Ah, ça va bien plus loin que ça. Le roi meurt, et ce n'est pas le fils aîné, donc Hamlet, qui prend la couronne, mais c'est le dernier, quoi. Claudius, un roi absolument terrifiant, parce qu'il pense que la crainte, c'est la seule façon de survivre. Mais le problème, c'est que Hamlet, il est jaloux, il veut son trône, et donc du coup, il ne pense qu'à sa vengeance. Et donc du coup, Ophélie va être tiraillée entre le fait qu'elle est du bon côté, et le fait qu'Hamlet ne vit plus que pour se venger. Surtout qu'apparemment, Claudius veut marier Ophélie à quelqu'un d'autre. Et ça va encore plus enrager Hamlet. Génial. Alors par contre, je suis pas sûr que ce soit exactement un biopic sur la légende du prince Hamlet,
Mais bon, c'est un autre débat, je connais pas non plus toute la culture médiévale, hein. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, je sais, elle a été très courte, mais bon, voilà, c'est un petit film, quoi. Même si c'est Daisy Ridley qui joue là-dedans, c'est un petit film. C'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Discord, Twitch et TikTok. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Esprit Z, coupé.